Cette année, les compétitions du festival Biarritz Amérique latine nous feront voyager dans des territoires pas si fréquemment visités comme le Nicaragua, le Costa Rica, le Venezuela, l'Uruguay, le Pérou ou même Cuba, tout en s'appuyant naturellement sur les grands pays de cinéma que sont l'Argentine, le Mexique, le Chili, le Brésil ou la Colombie. On y verra des formes de cinéma extrêmement contrastées, allant du film noir politique au cinéma romantique gay, coming of age musical, en passant par du cinéma fantastique, drame psychologique introspectif, road movie, comédie noire de gangster, journal de bord sociopolitique, film de narco, peinture contemplative ou coulisses de la création d'une œuvre théâtrale, entre autres. La compétition de fiction sera très jeune avec 6 premiers films et sera très féminine avec 6 réalisatrices et 7 films construits autour d'un personnage féminin. On y parlera de Santeria à Cuba, d'engagement social, de foot en Argentine, de résistance face à la barbarie, de compétition et de confiance en soi, de l'extrême pauvreté, de coming out, d'enfance abandonnée, de relations père-fille. On questionnera l'épanouissement des femmes en dehors de la maternité ou le rôle de l'Église face à la répression sous Pinochet. On y tombera amoureux, on y rêvera, on y ressentira doute, empathie, stupeur, effroi. On y rira. J'espère qu'on s'y croisera.